Bonjour à vous, amis auto-entrepreneurs. Cette semaine, une bonne nouvelle pour tout le monde, la baisse des cotisations auto-entrepreneurs. Vous en avez peut-être déjà entendu parler, le décret d'application est enfin passé. Donc, on va voir exactement qu'est-ce que c'est que cette baisse de cotisation, d'où elle vient. Elle vient tout simplement d'un projet de loi sur le pouvoir d'achat qui a été voté cet été. Et petit rappel quand même sur l'utilité des cotisations sociales, puisqu'on se plaint en général d'en payer trop. Juste pour rappel, c'est quand même ce qui finance tout le système de sécurité sociale et de retraite. Donc c'est aussi ce qui vous permet, quand vous allez chez le médecin, de presque rien payer, quand vous allez à la pharmacie, de presque rien payer, quand vous allez à l'hôpital, de presque rien payer, d'avoir une école gratuite jusqu'à un certain âge, etc. Donc tout ça, il ne faut pas le négliger quand même, ce n'est pas pour rien qu'on paye des cotisations sociales, mais concrètement, on est toujours content quand même quand ça baisse, on ne va pas se mentir. Mais d'ailleurs, je me permets de rajouter, puisqu'on en parle, que si vous êtes auto-entrepreneur, je vous encourage vivement à prendre des complémentaires, santé et retraite notamment, parce que si vous vous reposez juste sur ce que vous propose le régime de l'auto-entreprise, ça risque d'être un petit peu short par rapport à ce que vous aviez, notamment si vous avez été salarié avant. Donc attention, même les cotisations que vous payez actuellement, elles sont potentiellement pas suffisantes pour avoir la couverture que vous pourriez attendre en termes de santé et de retraite. Donc très concrètement, ces baisses, ça donne quoi? Ça donne 0,5 points pour la vente de marchandises, donc on va passer de 12,8 à 12,3%. Pour la prestation de services commerciales, moins 0,8 points, on va passer de 22 à 21,2%. Et pour la prestation de services libérales, 0,9 points, on va passer de 22 à 21,1%. Et on notera que sur l'acre, du coup, c'est à peu près la moitié de ces montants. C'est un tout petit peu moins, du coup, on est à 0,2 pour la vente de marchandises acre. Et on notera également que ceux qui baissent le plus, c'est les professions libérales relevant de la CIPAV, mais du coup, il y en a de moins en moins, puisque maintenant, les professions libérales qui sont inscrites sont de toute façon automatiquement affiliées à la SSI. Mais si vous êtes encore à la CIPAV, du coup, le taux vont baisser d'un point complet. Et donc, cela sera effectif à partir du 1er octobre 2022. Donc, quand vous allez payer vos cotisations en novembre pour octobre, ça va prendre en compte ces montants de cotisations. Voilà ce que je voulais vous dire sur la baisse des cotisations. Encore une fois, on ne va pas cracher dessus, ça fait toujours plaisir, mais il faut quand même se rappeler à quoi servent nos cotisations et qu'on ne les paye pas pour rien. Comme d'habitude, si vous avez des remarques, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas en commentaire de cette vidéo ou sur les réseaux sociaux. Et si vous avez trouvé cette vidéo utile, je compte sur vous pour nous laisser un petit pouce. Merci beaucoup et bonne journée.